Oh putain. Oh putain, il y a déjà quelqu'un. Salut tout le monde. Alors, je vous dis tout de suite, je suis malade. Ok. Donc, si j'ai pas l'air assez dynamique, c'est pour ça, ok. Mais j'apprécie votre débarquement, on va dire. Je vais juste mettre la petite miniature. Parce que ouais, miniature, je l'ai fait sur mon portable et je pense que c'est un petit peu plus simple pour moi. Parce que comment dire que je maîtrise pas trop le PC comme certaines personnes. C'est celui-là. Ouais, voilà, c'est celui-là. C'est bon, se sauvegarder. Et on revient sur le live. Les promos sont à quelle heure? Les promos seront dans une demi-heure. Après, bah oui, j'ai pas, il y en a cette semaine, je crois. Est-ce que ce serait peut-être mieux que je mette du genre à 10h30 dans la miniature, comme ça les gens ils pourront savoir. Ce serait peut-être mieux, non? Si, oui, j'ai ça. Malade, on va dire. Mais sinon, ouais, ça va et toi? Alors la voiture c'est la Cheetah classique, ok. Et les promotions c'était quoi cette semaine déjà? Je reviens à 10h30, pas de problème. Salut Angelo! Eh ben on a du monde. Là il bougeait la crève et là il y a... Ah, Italia, no, Francia? Ingress. c'est du espagnol ça. C'est marqué dans le titre, ça suffit. Non mais après, c'est fort possible que les gens, parce qu'il y a des gens, ils lisent pas tout le titre des fois. I love you too, man. Ah oui, c'est vrai, il y a cette merde. Ah oui, c'est vrai, c'était la semaine de merde là. Où il y avait quoi, 3 promos je crois. Oh la belle voiture. Tu joues à 2-2, je t'ai jamais vu quoi. Si t'as des difficultés, j'ai un pote qui peut t'apprendre à jouer avec tous les trucs. Juste ton nom. Vas-y. Ah, c'est vrai qu'il suffit juste à lire le titre, mais bon, des fois il y a... Je crois qu'il y a quelque chose qui montre genre le pourcentage des gens qui lisent tout le titre ou pas tout le titre. Alors Gabi, je vais t'avouer un truc, ça fait un super long moment que j'ai pas joué à Red Dead. Je veux dire, je me suis ennuyé dessus au bout d'un moment. Et j'hésitais à me prendre la version standalone, c'est où tu achètes juste le mode en ligne.
Et c'est à 5 euros jusqu'au 4 février, bah jusqu'à aujourd'hui je crois, donc je ne sais pas si je me le prends. Je reviens. Ok, bah vas-y, vas-y. À tout à l'heure. Attendez, je crois que je vais prendre un petit médoc maintenant, parce que là j'ai mal à la gorge. Puis je suis ramené mon petit déj. Oh là, ça m'a saoulé. Hier lundi, c'était la première fois que je suis parti en course, faire des courses avec mon père. La dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a plus de 10 mois quand même. Genre, ah, bien avant le premier confinement. Et donc du coup, j'ai fait des courses. Tout allait bien lundi. Mardi, je reviens, j'ai la crève. Ou Covid, je sais pas. Pour l'instant, j'ai les symptômes. Donc, le standalone, je crois que c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est 5 euros. Et t'as combien d'euros? Tu veux dire GTA ou vraie vie? Parce que je parle un petit peu de 5 euros de la version standalone, mais sinon sur GTA j'en ai 101 millions. On va te faire foutre. GTA, ouais, j'en ai 101 millions. Ouais, ça très bien. Bah après j'aurais dû être à genre 110, mais bon. Après je veux dire, si t'as déjà Red Dead, ça sert à rien de l'acheter le standalone, parce qu'en gros standalone ça t'achète juste le mode online et non pas le mode histoire. Donc ça sera plutôt pour des gens comme moi qui sont pas trop fans de jeux mode histoire et qui préfèrent les jeux en ligne. Merde, désolé. Putain, c'est dégueulasse. Attends, j'ai peut-être baissé le volume. Ouais, bah tiens, tu m'as donné envie de la prendre. Je vais la prendre, la Italie. Ouais, je peux la montrer. De toute façon, tu m'as donné envie de la conduire. Je vais pas vous mentir, c'est le plus de gens, peut-être, et le plus de commentaires que j'ai eu avant que les trucs sont sortis. Italie GTB Custom. Alors, mode histoire de Red. Alors, moi, la raison pour laquelle je suis pas fan des jeux mode histoire, c'est parce que, genre, t'as des jeux comme. Parce que moi, je suis un super grand fan de Star Wars, ok? Le jeu Jedi Fallen Order, ok? C'est qu'un mode histoire. Jamais de la vie je dépenserai 40 euros en promotion ou 70 euros dans un jeu que je vais jouer une ou deux fois et puis plus jamais jouer, tu vois. C'est pour ça que Fallen Order, j'ai regardé le mode histoire en vidéo sur internet et ça m'a toujours aussi plu, tu vois. Mais par contre, si c'est un jeu mode histoire comme Red Dead qui a un mode online, comme GTA, et d'ailleurs, mode histoire, j'ai commencé à le refaire, là je le prendrai. Parce qu'au moins, dès que j'ai fini le mode histoire, j'aurai le mode en ligne pour jouer derrière. Donc ouais, ça c'est My Italy JTB. Alors, j'ai une petite question pour vous. Ok? On adore tous les voitures sur GTA, ok? Et je pense que ça... Que GTA comprend... Genre, tous les... Comment je pourrais mettre ça sous forme de phrase? La communauté de voitures GTA comporte une. Genre, je crois que c'est 40-50% des joueurs GTA. Donc, du coup, pour faire plaise aux joueurs GTA, ce qu'ils devraient faire, c'est une mise à jour voiture de rue. D'accord? Donc, c'est-à-dire refaire des voitures bénies, mais en tant que course de rue, des trucs comme ça, et mettre des boosts. Comme boîte de nuit, pas boîte de nuit, garde d'arène.
mais pas des boosts aussi puissants, un petit peu moins puissants, on va dire. Et un autre truc qui serait cool, c'est qu'on puisse changer la couleur de nos flammes à l'arrière. Du genre, par exemple, si on a une voiture bleue, on peut mettre les flammes en bleu. Si on a une voiture rose, mettre les flammes en rose ou vert. Moi, je pense que ça pourrait être tellement stylé. Et ça sera ma mise à jour de rêve. Attends. Ça doit être ouf. Bah, moi, j'espère que ça serait ouf si jamais il sortait une mise à jour pareil. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais 194 abonnés. C'est la première fois que j'en parle, les abonnés, hein. Donc, j'aime pas dire ça, mais si c'est la première fois, je vais vous dire. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait plaisir. On est bientôt aux 200. Mon Dieu, je déteste dire ça. Des flammes roses. Bien, jeu de mots. Ah, oh, c'était un jeu de mots. Alors moi, je vous dis un truc, je suis nul en français, donc j'ai pas pensé, on va dire. Alors attends. Toi, ta gueule, l'Australien. J'aurais dû mettre une miniature de quelqu'un qui est en train de crever. Maemerus. Ah, Maemerus, elle est un petit peu plus bas. Ouais, dans l'étage en dessous. Alors, il y a des fois où j'aime pas faire des lives parce qu'il est mon père. Et c'est pas parce que je veux pas qu'il sache, c'est que des fois il va juste rentrer dans la pièce. Et des fois ça peut me saouler. Là, limite tous les jeudis, il travaille maintenant. Donc du coup, c'est pour ça que je fais des lives jusqu'à midi. Et comme ça, il y a personne qui peut me faire chier. Et je me dis, il y a personne qui va rentrer dans la pièce, me dire, t'arrêtes quand? Parce que mon père il me saoule à faire ça, c'est genre il rentre, il dit genre il te reste combien de temps pour jouer, t'as joué combien de temps, tout ça. Et genre ça m'a saoulé hier, j'ai dit alors tu me saoules, tu me dis toujours t'arrêtes quand, mais tu te poses jamais la question comment vont tes études. Et ah, c'est marrant parce qu'en plus hier en des études, je fais deux formations. Alors t'en as une, c'est la plus importante, donc c'est mon BTS, et t'en as un autre, c'est une petite formation à côté. Et donc du coup, après chaque séquence, tu peux gagner des badges. Et donc ces badges te donnent une meilleure note. J'ai eu 81% au premier devoir. Et je suis en mode. Et donc du coup, tu t'en fous de ça parce que je t'ai dit que je vais étudier. T'aurais pu demander comment vont mes études, tout ça. Et il dit, oh bah bien joué. Je suis en mode, ouais, maintenant que je t'ai dit, bien joué. moi, je fais des études, c'est gestion et protection de la nature. Donc si tu préfères, ce que je voudrais faire plus tard, c'est du genre. On va dire à peu près garde forestier. Donc, c'est du genre faire l'inventaire des forêts, faire des cartes d'une forêt, des trucs comme ça. Je préfère principalement travailler en extérieur. Parce que j'ai déjà fait des stages avec des clients. Et je te jure qu'il y a des clients, j'ai envie de leur faire bouffer de la merde. Donc, ouais, alors attends. Si jamais vous faites un stage en commerce, sachez bien qu'on va vous traiter principalement comme de la merde. Genre moi quand je faisais mes stages, on me demandait. Parce que moi c'était en animalerie mes stages. À chaque Parce que ces stages sont censés te permettre d'apprendre des trucs. Il y avait toujours un employé qui était là pour nous apprendre des trucs. Les autres, c'est du genre, oui, vas-y, va changer la cage des poules, ok? Tiens, va mettre ça en rayon, va faire du fascing. Donc, en gros, le fascing, c'est bien remettre les produits qui sont en rayon. Genre, s'ils sont tombés, tu les remets droit. Si les paquets sont tout écrasés, tu les remets. Voilà, quoi. Donc, voilà. Bah, tiens, j'ai une petite question pour vous. En quelle classe vous êtes? Si vous êtes toujours en train de faire des études.
troisième, première. Ah ouais, donc du coup, Knight, c'est bientôt le brevet. Et Axel Dos Santos, je pense pas que je t'ai vu encore sur les lives. Ça se passe bien sinon. La semaine dernière, j'étais en stage, du coup, je n'ai pas pu regarder ton live. Non, non, mais t'inquiète, t'inquiète, hein, je peux comprendre. Je peux comprendre. Il y aura des semaines où je pourrais pas faire de live non plus, tu vois. Parce que moi, j'ai une session de regroupement qui arrive au mois de mars, je pense pas que je pourrais faire cette semaine-là. Oh putain. Ça fait bien longtemps? Ah ouais. Yo BG, Braqueur, ça va? J'espère que ça vous dérange pas de regarder encore un petit peu les voitures, mais je vais faire un petit déj, ok? Plus que 15 minutes. Ouais. Je passe plus de temps dans mon garage. Bouffer et tout. Ben, je vois la caméra. Quels sont les promos de la semaine? Je pourrais seulement te dire ça dans 15 minutes, mon poteau. Vous voulez que je vous avoue quelque chose? Moi j'espère que c'est un Night Shark sur le podium ou en promo même. Parce que la Night Shark, je l'ai encore jamais eue. Et si elle est en promo, je me l'achète. Vous voulez savoir une chose que j'aime bien? Avoir la crève, slash peut-être Covid, parce que je sais pas si je l'ai. Hein. C'est la voix grave. Je sais pas, vous avez besoin de quelqu'un pour faire la voix de Dark Vador, vous m'appelez. Parce qu'en vrai, quand je m'entends dans les lives ou dans mes enregistrements et tout ça, ma voix elle est pas si grave que ça. Alors que dans la vraie vie, elle y est un petit peu. Faites souci, hâte d'avoir du farm doublé, genre club de motard salade. Club de motard, c'est bien pour le farm. Mais quand c'est doublé, je conseille toujours de genre acheter les matières premières. Pour certains. Alors j'entends un petit peu trop. Oh, la Paragon Air blindée qui elle est rare, mais il nique le jeu. Ouais, après, je sais pas si la Paragon Air blindée sera sur le podium, vu que tu gagnes seulement dans l'émission. Mais c'est vrai que ça pourrait être une belle voiture. Ah ouais, va être sur le podium. Oh, sa voiture m'a donné envie de la conduire, attends. La Dominator GTX, elle est bien. Ouais, tu veux dire la version plus moderne de la Dominator, elle est super bien. Perso, je la kiffe. Je l'ai revendue, moi. Parce que... Voilà, j'avais une autre voiture que je voulais, mais sinon je te la conseille, elle est super bien. Mais mec, la Night Shark elle est trop bien. Et c'est marrant parce qu'il y avait un moment où elle était gratos. Donc je crois que c'était une semaine de Noël. Moi je l'avais toujours payant et j'étais en mode mais ça se fait pas. Et c'était encore à l'époque où j'étais on va dire pauvre. Donc ça m'a bien fait chier. Vais mourir. Ouais, en tant que quelqu'un qui joue à Rocket League, j'ai tellement envie qu'il ressorte la Nissan. Donc là, je vais la conduire un peu. Attends, pourquoi j'ai pas la tenue de la chaîne? Oh, Noël 2019, ça date, frère. Puis c'était Noël 2019 aussi, où c'était genre l'insurgent et le busard gratos, je crois. Ouais, 10 000. Ah oh ouais, ça passe vite, frère. Alors, je vais bien sûr changer de session à 31 pour être sûr.
C'est en haut. Mini char d'invasion, c'était 2019? Ah bah oui, c'était 2019. Bah ça devait être la... Ah bah non, c'est dans notre garage. Ça devait être la fois d'avant, alors... Bon bref, sinon il y avait le busard et l'insurgent gratos un certain Noël. Je mangeais un peu parce que ça mange la dalle. ASMR céréales. Ah, je crois que ma voix elle aime. Ah, ça y est! Il suffisait juste de boire un peu et puis ma voix elle est de retour. Oh. Je vais vous avouer que j'ai un peu peur. C'est quoi ton véhicule armé que ton conseil à faire APC? Ouh. Ah ouais, armé, je te conseille largement un Night Shark. Parce que ça prend plus de 20 missiles pour la défoncer, donc du coup t'as une oppresseur qui vient derrière toi. Vraiment, t'as pas besoin de t'inquiéter, il va pas t'exploser. Alors je crois que je suis coincé en chargement, donc je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut se connecter, aller dans une session visée libre. Et ensuite m'inviter, parce que là, je vais jamais m'en sortir. Christian B, hi, how are you doing? Just so you know, this is a French stream, so don't feel too intimidated by the different language, alright? Oui, sauf si Christian, tu es français, je sais pas. Ça me saoule. Ah, vous savez quoi? Je vais rejoindre la session de mon pote. Je ne pense pas qu'il... Ah, aïe, 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 c'est bon. Alors, j'ai pas appuyé sur X tout de suite parce que... Have you Oppressor Mark 2? I do have Oppressor Mark 2. Merci Red Knight de d'avoir voulu aider, mais j'ai réussi à m'en sortir un petit peu. Mec, toi aussi tu as des cheaters qui tirent au canon orbital. Dans ma session? Parce que j'ai pas regardé mon machin. Mais ouais, sinon j'en ai. I honestly don't think Oppressor Mark 2 is the best. It's super practical if you prefer. But this one might be one of my favorites. This one and the Futo. Merde, j'ai regardé les commentaires. Ah non, j'ai défoncé le capot. Je vous avais un truc, je la détestais la voiture dans cette couleur, mais dès que j'ai vu Fast and Furious 2 pour la première fois, je suis en mode, mais elle est magnifique avec les néons bleus. Bah le soir, c'est plutôt des Américains si tu préfères. Puis les Américains, ce seront les rois des cancers, si je vais être honnête. Et pas que sur GTA.
Alors, moi, mon pseudo, c'est My name is Ricardo. Si vous savez la référence, les deux références même, vous êtes une légende. Parce que dans ce pseudo, il y a deux références. Et les références, ce sont tous les deux des mimes. Donc, si vous le savez pas, je peux vous le dire. Mais je vais attendre un petit peu. Il est mort. Unis Phoenix. Mini leur gare, c'est toi ça? Ouais, ok, je t'ajoute quand je change de session, ok? Parce que c'est dans quoi? C'est dans 4... Bon, dans 5 minutes que je vais changer, on va dire. J'ai le PC pour regarder les commentaires maintenant, hein, donc... Ah mais c'est infernal des joueurs, je te jure, des fois. Mais les joueurs cancer, t'en as dans tous les jeux, je veux dire. GTA, c'en est un. R6, c'en est un aussi de jeu, je veux dire. R6, j'y joue, c'est vraiment pour augmenter mon passe de combat, mais je peux pas à chaque fois si je fais des simples. J'ai des mecs qui ont le cerveau mou dans mon équipe, et l'équipe ennemie, ce sont limite des pros au jeu. Tu veux que j'y arrive comment? Eminem en référence. Non, loin de là. Alors, l'indice que j'ai donné, ce sont tous les deux des mimes ou des mèmes en français. Donc, les mèmes, comme c'est le russe qui fait trop. Ou même les gens qui dansent avec le cercueil sur le dos. Ouais, ça, c'est un mème, on va dire. Bonjour, bonjour. Ouais, désolé, mais j'aurais du mal à prononcer ton nom. Je vais t'appeler. Alors, le X, je vais le remplacer par un O. Hydropa, ça te va? Putain. Céréales sont mou. Pas oublié. Ah, bah, c'est bon, c'est déjà. Ça te va, ok. Or, attendez, ouais. Finalement, je vais me chercher un petit bijou. Voir si je suis toujours bon au drift. Je crois que c'est là. Ouais, bah écoute, je te rejoindrai pour les actualités, comme ça je pourrais peut-être lancer une petite mission sans me faire défoncer, on va dire. Attends, le temps que la voiture va venir, je vais t'ajouter. Futo, c'est là. Elle sort à 10h30, ouais, donc je vais changer de session dans 2 minutes, parce que 10h31 pour être sûr. Ricardo Milos, première référence. Si vous savez pas qui c'est Ricardo Milos, c'est du genre l'espagnol qui ou même le mexicain, je sais pas, qui c'est un musclé qui danse en string. Vous tapez Ricardo Milos, vous vous trouverez. Alors attends, ça m'a montré qu'on avait un ami en commun, je vais voir qui c'est. Alors pour avoir autant d'argent, je vais te voir un truc Cayo Perico. À fond Cayo Perico. Ryan, on a Ryan en commun.
Ouais, les lives, je les fais le jeudi parce qu'après, si je les fais un autre jour, j'ai personne et j'aime bien parler avec les gens qui sont là. Je veux dire, même la semaine dernière, j'ai demandé si les gens voulaient que je fasse un live sur un autre jeu. Ils m'ont dit, ouais, je viendrai. Et puis finalement, il n'y a personne qui est venu et j'étais en mode, oh. Ah, j'ai pas vu, c'est un abo à toi. Ouais, c'est ça, il était là la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant. Alors, des fois, j'adore venir ici, puis juste faire. Ouais, je suis rouillé. Le catch, non, c'est pas My Name Is. Ouais, je suis rouillé au drift. Ouais, je suis rouillé, c'est bon. Et ben, on change de session. Tokyo Drift, ah, j'ai adoré ce film. 205 millions, eh ben. Vas-y, vas-y, ah bah attends. En faisant quoi? Que des Cayo Perico aussi? En gros, dans. Mon pseudo s'appelle My Name is Ricardo, ok? Il y a deux mimes, ou même en français. En référence dedans. Il y en a un qui a déjà été trouvé, c'est Ricardo Milos. Est-ce que vous arrivez à trouver le deuxième? Je vous laisse jusqu'à ce que je vais dévoiler la voiture du podium. Alors, ça peut être un petit peu court, mais bon. Ah bah voilà, un hein, Cayo Perico. Après, t'as plus tryhardé le Cayo Perico que moi, alors. Parce que moi, j'ai fait quoi? 85 millions? Mais ouais, si vous voulez vous faire de l'argent, faites le Cayo Perico, je vous le jure. Au début, je galérais, mais après, c'est comme marcher. Au début, tu galères, mais après, ça fait partie de ta vie. Bah attends, je vais me remettre dans le lit, là. Remets-toi, va te coucher. Non. Normalement, quand je suis debout à côté du lit, ça me refout dans le lit. Yes! Red Knight, il a trouvé! My name is Jeff! Parce que de base, je voulais m'appeler My Name is Jeff. Mais il a déjà été pris. Et j'ai essayé sous toute autre forme. Du genre mettre un A à la place du. Un 4 à la place du A dans Name. Un E à la place du 3 dans Jeff. Pas possible. Donc j'étais en mode je vais m'appeler My Name is Ricardo. Quelqu'un a triché. C'est qui a dit que la version blindée allait venir? Quelqu'un a triché. Il a vu une vidéo qui montre les véhicules du podium qui sortaient. Quelqu'un a triché. Est-ce que pour le braquage Cayo Perico tu fais le glitch pour récupérer l'or? Pas du tout. Pas du tout. Pour récupérer l'or, après tu te fais repérer et tout, mais après t'as des gens après toi donc. La plupart du temps, ce que je fais, c'est que je prends les deux tableaux dans le machin. Ou je prends du genre de la cocaïne, des trucs comme ça. Donc, oh, attends, il y a des gros commentaires, j'arrive dans 2 secondes. 1, 2, 3. Ah bah, c'était sûr. Alors, j'ai fait reset mon premier compte et sur mon nouveau compte, je vois que j'ai d'argent dépensé. Eh ben, j'ai eu quoi? Des jetons. Nice. Alors, promotion. Donc, j'aurai toujours normalement le bug d'affichage des promotions de la semaine dernière. Nickel, je comptais me l'acheter la NTT XXR. Ouais, elle est en promo. J'ai failli l'acheter il y a 2 semaines en plus. Donc NTT XXR en promo. Oh putain, je sens la semaine de merde. On avait déjà joué à deux, c'est ça, ouais. Mais après, je joue solo parce qu'après, je vais aller sur un autre jeu. Parce que. GTA, je m'ennuie un petit peu. Oh, Squ. Oh putain, ça coûte cher!
Moi, je vais pas me l'acheter celui-là. Celui-là, je l'ai acheté comme un con. Parce que je pensais que c'était un véhicule personnel. Non. Pegasus. Oh, Toreador. Ça, c'est promotion magnifique. Mais ils le foutent après qu'il soit gratuit au casino. Stromberg, nice aussi. Thème aquatique là. Ardent, c'était la semaine dernière, c'est plus la merde. Ça, c'est un bug d'affichage qui m'appartient qu'à moi. Kerbos, c'était la semaine dernière aussi, je crois. Michael Rosen. J'ai déjà entendu parler du nom. Hein. Moi, mon le Caio Perico, je l'ai fait en 6 minutes 28, mon record. J'ai failli battre un YouTuber pour gagner 100 balles. Il a fait 6 minutes 25. Mais dans le braquage, je me suis. Je me suis coincé sur un morceau de corail pendant genre 4-5 secondes, donc voilà. Et en plus, pendant que je faisais le braquage, j'étais en mode, je te jure, si ce morceau de corail me cause la perte, et ce morceau de corail me cause la perte. Rien là-dessus. Ok, rien. San Andreas. Classique. Ah, c'est fort possible que les véhicules d'arène soient en promo. S'il a ici classique. Ah non. Ah non. Pas du tout. Allez, on va aller regarder sur Bénis pour être sûr. C'était combien de temps? C'est le mec qui dit nice. Ah si! Michael Rosen, c'est celui qui fait. Non, attends. Oh, je sais pas le faire. Non, wesh. C'est celui-là? Putain, il n'y a pas d'amour pour Bénise. Putain, ça fait 2 semaines, 2 ou 3 semaines de merde d'affilée. Le yacht non plus. Aerostar. Pédale et métal. Dis-moi qui est les promos. T'imagines juste pour le troll. Ça au lieu de 800, c'est à 500. Et Dynasty 8. Ça a été récemment en promo. Bah ouais. Exécutive. Non. Que dalle. Que dalle, que dalle. Wow, 100 commentaires déjà, putain. Bon, en vrai, le seul truc qui est bien cette semaine, c'est Toreador, Stromberg en promo et la voiture du podium. Y'a que ça. Oh, attends, hey, mec, c'est pas là la sortie. Ah, elle me fait chier à bloquer l'entrée. J'ai pas de braquage du tout là. J'ai décidé d'en faire une pause. Surtout que j'ai acheté un nouveau jeu donc. Mais pour l'instant, je fais plus de braquage. Je veux dire, j'en ai fait une 50-60aine et. Ouais, 19 personnes, putain. Pas tout à fait d'accord avec toi, Axel. La Toreador, elle est meilleure en plusieurs trucs. Bien sûr, elle est plus rapide et elle a missile infini, contrairement à la Stromberg. Alors que la Stromberg, elle est moins exposée, ok, parce que elle a des fenêtres un petit peu plus petites et tout, mais elle est blindée. La Toreador ne l'est pas. Sauf si la Toreador elle l'est, parce que je me suis jamais fait tirer dessus en oppressant avec. Mais sinon, ouais, je trouve que la Toreador elle est meilleure. Le nouveau véhicule, oh mec, j'ai vraiment pas envie de me l'acheter le nouveau véhicule. 1 300 000 pour ce que c'est. Je le fais ou pas?
C'est quand même 1 300 000 pour moi, ça. Faut que je m'achète la Winky aussi. Je l'ai pas encore acheté donc. Ah ouais, elle résiste bien. Bon, on m'a jamais tiré dessus avec donc. Bah écoute, ouais, Toréador maintenant c'est à acheter. Mais après, je pense que c'est parce que la Stromberg c'est bien pour son prix. Ah. Legendary Motorsport, je te jure. Attends, ça montre si c'est un véhicule Pegasus ou pas? Ah non, ça montre pas si c'est un véhicule Pegasus. Oh, c'est bon, c'est pas un véhicule Pegasus. Premier garage, oh putain. Je suis à 99 millions, pas besoin de s'inquiéter. On va réparer ça. On peut retourner à 100. Boum, voilà. Alors je vous le dis tout de suite, le véhicule, je vais peut-être le faire tout moche. On se pose là, puis je finis mes céréales. Parce que là, 8, je sais pas, mais c'est bon. Pourquoi j'ai les flics? J'ai harcelé un mur et j'ai les flics. Ok. Un coup de cœur pour la Manchester, la nouvelle, la Scout. Elle est trop bien. Rappelle, ils me l'ont pris la fourrière, je suis connard. Merde. Le nouveau véhicule qui sort, j'ai l'impression que c'est comme dans la vraie vie. Alors c'est de plus en plus cher. Attends, mon autre Toréador, elle est là. On fait une custom avec le chat, c'est-à-dire. Genre, eux, ils choisissent ce que je dois mettre dessus, c'est ça? Oui, il y a quoi en promo? Bah, déjà, il y a ça qui est sorti. En promo, t'as la NTT XXR. Pardon. Oh la vache, la Stromberg et la Toreador. Il n'y a que ça. Et aussi la Paragon Air blindée sur le podium. Donc si tu préfères, il y a de la grosse merde. Chacun son tour. Ok. Bah écoute. Blindé, je fais pas. Je vous montre tout ce qu'il y a. Oh, j'aime bien cela. Non, pas cela. Ça se trouve, vous allez me faire acheter des trucs que j'aime pas. 14 options, laquelle? Vas-y, Gabi. 1 à 14. Quelle option? Et vous savez quoi? Je vais même pas montrer les options. Je vais vous montrer combien il y en a. 13.
Ok, bah c'est pas là. Eh, vous voulez vraiment me faire. Vous voulez vraiment me ruiner. Par choc avant, 1-14. Bah du coup, c'est Braqueur qui a dit. Alors que j'avais demandé à Gabi. Gabi, combien? 1-14. Je montre pas les options, je les montre après. Parce que là, on va vraiment faire une voiture aléatoire. J'ai pas de réponse. RIP. Sauf si le PC bug encore. Ok. C'est dommage parce que j'aime bien celui-ci. Oh putain! Limite ça c'est le pire parce que j'aime bien avec tes crochets. Allez, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Combien sur 9? 1, 9. Puis à l'avant c'est chromé mais putain. Châssis 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 6. 2. Ah ouais mais vous loupez les meilleurs en plus, ça vous fait chier. Hein. Les portes. 1, 17. 2, 8. Attention, on revient. Bah attends, y a pas de 8. Là, c'est quoi? Je fais 8 du coup? Alors, on va faire 8 pour celui-là. Ok. S'en fout de ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 16. Ah merde. Bon, c'est pas grave. J'ai envie de faire. Il y en a 10 là. Non, troisième, c'est celui-là. What the fuck? C'est quoi cette merde? 1-20, oh là là. Ah, tu l'as gagné? Et... Ah, moi perso, je veux pas la gagner parce que déjà que la version originale elle vaut rien. Donc du coup, je vois pas pourquoi je voudrais l'autre pour ne pas pouvoir la revendre. Ouais, donc là c'est 1-20, écoutez. Vous savez quoi? Là, il y a 20 options. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les chiffres précédents, bah, les nombres précédents, et faire pour le reste. Et si jamais il n'y a pas ce nombre d'options, je vais revenir un petit peu plus bas. Donc, au pire, on va déjà faire pour celui-ci, sauf s'il y a quelqu'un qui va mettre un commentaire. Ça dépend. Donc là, bon, tant pis. Je vais mettre le 13, qui était le premier. Oh, le 13, c'est celui-là, putain. Il va être moche ce véhicule. Capot. 13, et ensuite c'était 10. Klaxon, lumière, motif. 10, et ensuite c'était 8. Ah, donc en plus j'ai camouflagé. Camouflagé, putain. C'est mon frère qui me fait dire ça. Donc c'était 8, 2. Je reprends les. Tu peux te mettre en ligne pour que je vienne dans ta cesse. Ouais, je vais faire ça dans un. Bah non, je vais faire ça maintenant. Je croyais qu'il fallait que je mette en pause. J'espère qu'on me spamme pas d'invitation. Parce que les invitations, j'ai horreur de ça. Alors par contre,
Après le live, je vais aller sur un autre jeu parce que pour l'instant, je m'ennuie un petit peu sur GTA. Ouais. Là, je vais mettre la plaque noire. Couleur. Classique. C'était 16 après, donc écoute, on va mettre 16. Couleur secondaire. 7. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, 10, 3. Alors je reprends les précédents, bien sûr. Hein. Je pense que ça sera peut-être un petit peu marrant. Mais putain, les mecs, j'adore quand il y a du stock comme ça à l'arrière. C'est possible de t'ajouter en ami, tu peux, mais je jouerai peut-être pas avec toi aujourd'hui parce que GTA, je m'en lasse un peu. Yo, c'est quoi les activités doublées? Ah, merci, merci. Tu m'as rappelé. J'irai voir ça après la customisation. Vendre 1 sur 2. jupe, on va dire. Donc c'était 3. On remonte en haut. Donc le premier c'était 13. Je pense que c'est marrant comme ça. Genre je reprends les précédents à chaque fois. Et puis là, juste pour vous faire chier, je vais mettre des roues dégueulasses. Ouais, juste pour vous faire chier. Oh, ça va bien vous saouler, regardez. C'est dégueulasse. Ah, vas-y. Surprenant, j'ai même pas eu une seule invitation. Regardez comment c'est dégueulasse. D'accord, je suis solo à ma session. Regardez, c'est moche! Putain, moi je vous avais un truc, même si je suis quelqu'un qui est super sympa, je vois ça dans la rue, j'ai envie de l'exploser. Mais oui, je sais qu'elles sont horribles, mais bon, après la voiture elle est pas meilleure. Avec les non, les chiffres et tout qu'on m'a donné avant, j'ai repris, puis je te bah, elle est dégueulasse la voiture. Donc pour la faire encore plus dégueulasse, j'ai mis ces roues-là. Oh putain, mais c'est quoi cette monstruosité? En vrai, limite, il y a quelqu'un qui se fait tirer dessus, je viens et je lui sauve la vie avec ce truc. Mais sa performance est pas mal, hein. Ça va. Alors question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'aurai le droit de le changer après ou est-ce que je suis obligé de le garder comme ça? J'imagine que vous allez dire, faut que je le garde comme ça. Ah oui, attends, faut que je regarde l'activité x2. Merde, comme un con. Enfin, non, dame. Je vais me rendre dans mon casino pour voir s'il y a des business x2 aussi. Casino arcade. Putain, je me trompe entre les deux tout le temps. Donc, je vais mettre en tant que président de club de motards dès que j'arrive. Fais à ton goût. Garde-la comme ça. Oh putain. Un de chaque camp déjà. J'imagine qu'il va falloir que je change le klaxon. Je vais le mettre le clown. Donc ouais, je suis à l'arcade, je regarde si les activités x2. Pardon, t'es qui là, là? Ouf.
Donc ouais, je vais pas tarder à arrêter. Je suis un peu crevé, donc je suis désolé si c'était un court aujourd'hui. Alors, online. Activité. Garde arène, y a rien. Alors, j'ai pas regardé dans toutes les courses non plus. Survie non plus. Mission non plus. Mode adversaire, on y va. Pour l'instant. Putain, y'a rien. Bah écoute, j'arrête dans les courses quand même. Course ici classique. Bien sûr. x3. Non, merci. Alors, du coup, est-ce que Club de Motard, c'est... Non, c'est pas l'argent doublé. Bunker, c'était récemment. Boîte de nuit, peut-être? Non. Alors, dans le reste, je sais pas si c'est argent doublé. Celui-là, j'ai la flemme. Je suis désolé, mais j'ai la flemme de mettre en PDG juste pour aller voir. Donc, semaine de merde encore. J'ai quoi comme véhicule là-dedans déjà? Ouh, c'est vrai, j'ai celui-là. Hello, je suis là. Ah merde. J'ai la popo. Je te suis? Ou tu me suis? Je sais pas. Mais attends, moi je vais par là. Aïe. Et... Flip avant, j'adore faire ça. Là, j'ai fait... Tu m'as poussé contre le buisson. Buisson, il est... buisson, il est... Ah, il va falloir que j'aille me coucher, attends. Attends, attends, attends. Non, putain, j'ai perdu ma vitesse. Ok. Non, ça c'était de la merde. Vas-y, à la prochaine, Axel. Merci d'être passé. Tu viens de l'acheter? Alors, je me suis fait un ensemble Mario Kart, c'est plutôt fun. C'est ce que j'ai fait quand la Vito moderne est sortie. Genre, je me suis mis en Mario, un pote s'est mis en Luigi, un autre pote qui son personnage était une femme, il s'est mis en Peach avec une robe rose toute dégueulasse. Reco va quitter la Eva plus, mon pote. Resco. The best. Ça va? Non.
Tu l'as juste laissé comme ça là? Ouais, je suis perdu. Je suis désolé, mais je suis complètement perdu, crevé aujourd'hui, je suis ailleurs. Tu l'as juste customisé comme ça? Bah écoute, c'est propre. Mais on dirait vraiment la version de base. Bon, attends. On va appeler Lester. Oh, je suis crevé. En vrai, je pense que je vais arrêter là et m'allonger un peu. Donc ouais, je suis désolé, Raid Knight, si on n'a pas pu jouer ensemble. Style la semaine prochaine. Si la semaine prochaine tout va bien, normalement je resterai un petit peu plus longtemps. Et on pourra faire des activités s'il y en a qui sont doublées. Je veux dire, activités garde arène, s'ils sont doublés la semaine prochaine, je te jure que je vais t'en faire. C'est trop bien. Mais ouais, voilà, je vais peut-être t'arrêter là. Hein. C'est laquelle celui-là déjà? C'est la. Je sais pas comment ça s'appelle. Merci, merci. Bah, j'espère que j'ai pas le Covid, hein, parce qu'apparemment j'ai déjà les symptômes. Mais il en reste des symptômes à voir si j'en ai donc. Oh, attends, j'ai pas vu ça, le capot qui tremble. Oh, c'est cool ça. BR8. J'allais dire BR8 aussi, mais bon. Donc ouais, après ce que je peux ce que je pourrais faire la semaine prochaine, c'est aussi faire tour de garage. Genre vous m'ajoutez, vous me faites le tour de votre garage, puis je note vos voitures sur 10. Ça vous intéresse ou pas? Et je pourrais aussi faire les tenues aussi. Eh, me bute pas toi. Donc ouais, bah écoute, je vais arrêter là. Hein. Je remercie à tout le monde d'être passé. Et je vous dis... Hey, stylé la tenue. Je vous dis à la semaine prochaine, ok? Donc Red Knight, je vais arrêter la console tout court, là, ok? Donc je m'excuse, bah, je suis désolé, hein. Ouais, bah bonne journée, puis à la semaine prochaine, hein. Merci d'être venu. Salut!